Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Edge Beta et nous allons voir comment enregistrer des sites comme favoris. Pour cela, je vous laisse ouvrir votre navigateur Edge Beta. Donc, moi, il est dans la barre des tâches, c'est cette petite vague bleue et verte. Mon navigateur est ouvert. Enregistrer un site en favori a l'avantage de retrouver facilement ce site. Pour cela, il va vous suffire tout d'abord d'aller sur le site que vous voulez mettre en favori. Par exemple, je vais me rendre sur le site du Parisien. Donc, je clique sur le lien pour accéder au site. J'accepte l'utilisation des cookies. Une fois sur ce site, il va vous suffire de cliquer sur la petite étoile qui se trouve tout au bout de la barre d'adresse. Si je clique dessus, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît. Il va falloir que je donne un nom à mon favori. Alors, vous voyez qu'il y a déjà des choses décrites. Ces choses peuvent être à rallonge. Et donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de garder tout le texte. Je vais donc supprimer une partie de ce texte et le nommer simplement Le Parisien. Il vous est demandé ensuite dans quel dossier vous voulez l'enregistrer. Moi, je l'enregistre dans la barre des favoris, c'est-à-dire qu'il va apparaître dans la barre qui est juste là. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment faire apparaître cette barre des favoris. Une fois que j'ai fait cette manipulation, je peux dire « Terminé ». Maintenant, le Parisien apparaîtra toujours ici. Si je veux ajouter un autre site internet, par exemple Le Monde, je me rends sur le site. Mon site est affiché. Je vais donc procéder de la même manière. Donc l'étoile, je donne un nom. Le dossier barre des favoris, terminé. Et ainsi de suite. Par contre, on remarque que les sites donc, vont se mettre bout à bout sur cette barre des favoris. Si je mets énormément de sites internet, ça peut très vite devenir le bazar et on peut avoir des difficultés à retrouver les sites en question. On va donc pouvoir créer des dossiers où on va pouvoir ranger nos sites par thématique. Par exemple, je pourrais créer un dossier actualité dans lequel je viendrai rentrer le site du Parisien, du Monde, Ouest France, etc., etc. Pour cela, vous avez tout en haut à droite, ici, une étoile qui ressemble à une étoile filante. Vous avez l'étoile et trois traits. Si je clique dessus, c'est le centre de gestion de vos favoris. Je vais pouvoir ensuite cliquer sur « Gérer les favoris ». Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, vous remarquez que là, nous sommes bien dans la barre des favoris. Je retrouve bien le Parisien ainsi que le Monde. Et je vais pouvoir ajouter un dossier. Si je clique sur « Ajouter un dossier », je vais donner un nom, donc « Actualité ». Et je peux enregistrer. Et maintenant, il me suffit de glisser mes favoris dans ce dossier. Si je recherche, par exemple, Ouest France, je vais sur le site. Une fois sur le site, je vais l'ajouter à mes favoris. Donc, je reclique sur ma petite étoile avec le plus. Nom, Ouest France. Et là, dans le dossier, je vais cliquer sur le menu déroulant et je vais choisir dans quel dossier je veux le mettre. Donc là, en l'occurrence, actualité, terminé. Si je clique sur mon dossier actualité qui se trouve dans la barre des favoris,
Je retrouve bien Le Monde, Le Parisien, Ouest France. Je veux maintenant ajouter des sites de cuisine, par exemple Marmiton. Alors Marmiton n'est pas un site qui va rentrer dans l'actualité. Je vais donc sur le site Marmiton. Une fois sur le site, je refais la petite étoile, le nom Marmiton, et là le dossier, je ne vais pas le mettre ni dans actualité, ni dans barre des favoris, ni dans haute favoris, mais dans un dossier cuisine. Je vais donc cliquer sur choisir un autre dossier. Dans cette fenêtre, donc je retrouve bien Marmiton, l'adresse URL du site. Je clique sur barre des favoris et je vais faire un nouveau dossier que j'appelle cuisine. Et je peux enregistrer. Je retrouve bien dans ma barre des favoris le dossier actualité puis cuisine. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos favoris tout le temps dans des dossiers. Vous pouvez très bien en laisser des sites qui apparaissent directement. Par contre, effectivement, si vous avez des favoris qui rentrent tous dans le même thème, autant faire un dossier pour retrouver les choses facilement. Si jamais vous vous êtes trompé, par exemple, si cuisine par erreur, je l'avais glissé dans actualité. Si je clique sur actualité, je retrouve bien Le Monde, Le Parisien, Ouest France et mon dossier cuisine. Il n'est pas au bon endroit. Dans ce cas-là, je reclique sur l'étoile avec les trois traits, gérer les favoris. J'ouvre actualité en cliquant dessus dans la colonne de gauche et cuisine, je vais le glisser pour le remettre sur barre des favoris dans la colonne de gauche. Donc si vous faites une erreur, pas de panique, vous pouvez retrouver les choses via cette étoile qui ressemble à une étoile filante. De la même manière, si vous avez ajouté un favori dont vous n'avez plus besoin, vous pouvez cliquer sur la croix qui se trouve au bout de sa ligne et le favori sera supprimé. Nous en avons terminé avec les favoris sur Edge Beta. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.